Et hey, yo YouTube, c'est Sean Kazma, j'espère que vous allez bien. On est reparti jeunes gens, énième session de VOD, toujours sur The Legend of Zelda A Link to the Past. Et nous sommes repartis dans le monde inversé d'Hyrule, enfin d'Hyrule qu'on pourrait appeler Orule, ou Hyrule en verlan, ce qui donnerait quelque chose de moche et imprononçable. Mais aujourd'hui, voilà, on est dans un monde rempli de ténèbres, quelque part perdu, sur une pyramide dans le monde d'Assassin's Creed Origins, et nous allâmes tenter de sortir de là. Alors, on sait pas trop ce qui se passe. Agani nous a amené dans ce monde. En vérité, le seul truc qu'on sait à partir de là, c'est qu'on a ce numéro 1 qui est apparu tout à l'est de la map. Et on va tenter de s'y rendre en espérant avoir des explications sur ce qui se passe. Au passage, et là je parle aux personnes qui nous regardent directement en live, si jamais vous avez des infos sur ce qui se passe quoi, n'hésitez pas à les partager. Parce que je sais par exemple que tu peux trouver des demi-cœurs un petit peu partout. Qu'il y a bah justement, comme le disait tout à l'heure ma petite Nanou, et je te remercie, des flacons qu'on peut acheter pour accumuler des fées, pour pouvoir récupérer de la vie si besoin, et notamment parce que le combat contre Aghanim s'est mal déroulé la première fois, donc heureusement que j'avais une fée parce qu'elle m'a littéralement sauvé la vie. Je suis en train de mourir et je me fais poursuivre par un sac à patates, ça va pas, tu meurs. Bon, alors attends, parce que je suis tout en haut de cette pyramide et finalement je ne sais pas trop ce qui se passe ici. Il y a des trucs à récupérer ou pas, parce que sinon je fonce en ligne droite direction le bas de cette pyramide. Je vais mourir. Je vais mourir avant la fin. Il y a un trou là. On fait péter ce trou. Et pas du tout. D'accord, donc il y a une brèche et je ne peux pas ouvrir cette brèche. Donc oui, hein, si jamais vous savez où se trouve tel ou tel équipement, n'hésitez pas parce qu'on va en avoir besoin pour la suite. Et je ne peux pas déplacer ces trucs. Et pourtant, je pense qu'à un moment, ces machins, je pourrais en faire quelque chose. Quoique, parce qu'il y en a un petit peu partout, donc j'avoue que je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ces trucs énormes? Je ne veux pas savoir. En tout cas, c'est bien parce qu'on est déjà en bas. Donc déjà ça, c'est fait. Oh bordel, oh bordel, oh bordel. D'accord, j'ai bien compris. Vous remplacez la garde du royaume d'Hyrule, le château de sa majesté Zelda. Zelda qui est où d'ailleurs? Elle est morte? Elle est pas morte? On sait pas. Palais des ténèbres. Bah très bien. Direction le palais des ténèbres. C'est exactement là que je voulais aller. Mais oui, bien évidemment. Bordel, il balance des bombes. J'y crois pas, mais c'est des kamikazes. C'est ma... Ah oui, mince. C'est des kamikazes et bah moi j'ai plus d'énergie. Mince. Sean Kazma, avec ton miroir tu peux retourner dans le monde normal quand tu veux. Ah d'accord. D'accord, d'accord. Attends, fais voir. Ah mais c'est génial ce truc. Ah bah attends, 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 attends. Parce que je sens qu'il va y avoir des énigmes à base de je switch entre le monde classique et le monde moins classique. Et bah très bien, bah tu sais quoi, voilà, on va gagner la dite zone depuis le monde classique. Et dès qu'on y sera presque, on regagnera, eh bien, le monde des ténèbres. Sauf que, est-ce que je peux regagner le monde des ténèbres, genre, où je veux? Ou est-ce qu'il me faut un genre de TP, comme j'avais vu sur la montagne de la mort? Je me suis fait eu, là. Attends, 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 attends. Je me suis fait eu, ça va pas. Barrez-vous. Voilà. Vous mourrez. Vous mourrez. Vous mourrez. Vous mourrez. Vous mourrez. Il n'y en a pas un qui veut me rendre un cœur de vie? Oui, non, peut-être. Personne. Barre-toi. 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 Ok, tu te casses. Comment je rejoins la zone en haut à droite? Par là, ça me paraît bien. Attends! Meurs! Ok. Bon, on avance coup-ci coup-ça. Hein. Ça se passe mi-bien, mi-pas bien. Bon, ça va. Honnêtement, on s'est pas trop pris de coups plus que ça, mais c'est... on se fait submerger, en fait. En vérité, on se fait submerger par un monde d'ennemis incalculable. Voilà, qui sont partout, littéralement. Et cette zone est hyper importante, en fait. Ça a été le premier endroit que j'ai visité au début de la game. Enfin, après avoir visité le château d'Hyrule. Mais depuis, j'y retourne souvent. Ok, 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 ok. Est-ce que je peux retraverser un miroir? On essaye. Et ça ne fonctionne pas, hein. Ça ne fonctionne pas. Salut Milou et bonsoir à tous les Kazma qui nous rejoignent directement en live ce soir. Vous êtes bien sur un Let's Live de qualité qui essaye de se démerder comme il peut pour rejoindre son objectif. Sauf que là, et ben là, il est coincé dans le monde classique alors qu'il devrait être dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres. À la recherche de quelque chose à faire, à secourir, à retrouver. Je pense que le numéro 1, c'est un rapport avec ces fameux cristaux qu'on voit juste là. Alors, je vais pas vous mentir, la dernière session de live, c'était il y a 3 jours, quelque chose comme ça. Je sais plus ce que nous a dit le sage, ça sera là, machin, à propos de ce qu'il fallait faire dans l'autre monde. Mais il faut qu'on y retourne. Et là, je sais pas comment y retourner. Voyons voir. D'après mes souvenirs, tu dois reprendre le portail, les paillettes sur la carte. Oh mais non, je suis obligé de retourner aux paillettes.
Oh non, tristitude. Ah bah ça explique ceci. Parce que je me demandais toujours, c'est ça les paillettes en fait. Je me demandais toujours pourquoi est-ce qu'on laissait une traînée de paillettes derrière nous. C'est pour ça. Oh. Mais il n'empêche que j'y crois quand même. Je suis sûr qu'il y aura des énigmes à base de... voilà, je passe d'une dimension à une autre. Bon, écoutez, on découvre, on est là en tant que noob, en tant que novice du game. C'est tout à fait normal que l'on fasse des erreurs. Alors attends, je crois que c'était juste là. Ah oui, parfait, c'est là. Ta. D'accord, je voulais prendre le miroir et repasser de l'autre côté, mais pas besoin, on repasse tout seul. Bah très bien, très bien. Sauf que je ne me matérialise pas en Kazma. Oui, parce que la première fois que j'ai traversé ce monde, j'étais en Kazma rose. C'était trop mignon d'ailleurs, mais je sais pas pourquoi. Je ne veux pas faire ça. Foutasse-moi la paix. Ça, je peux pas pousser. Ça, ça va mourir, l'espèce de sac à patates vivant là. Voilà, ça dégage. Ça, ça fait peur. Je sais pas si ça m'envoie des boules de feu comme à la Mario, mais... Ah, d'accord. Mais ça fait grave flipper. Attends. D'après la carte, je dois aller tout en haut à droite. Mais c'est un labyrinthe ce truc en fait. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah mon dieu, mais c'est pas du tout par là que je dois passer. Ok, bon, je suppose que c'est tout tracé, je suppose qu'il y a une seule route, je suppose aussi que je vais faire gaffe à mes fesses, parce que je vais prendre tellement cher. Attends une minute, quoi? Quoi? C'est quoi ça? Bonjour? Oh, un petit arbre! C'est un bébé môme jumeau. T'es pas du coin, toi, n'est-ce pas? Tu es venu ici pour chercher le pouvoir d'or? Eh bien, tu viens trop tard. Il obéit seulement à la première personne qui le touche. Et cet homme a demandé que ce monde horrible soit créé. Cela reflète la noirceur de son âme. Ah, donc c'est pas un monde qui existe en temps normal, je pensais. Moi aussi, avide du pouvoir d'or, je suis venu ici. Et regarde ce qui m'est arrivé. Pour restaurer la Terre d'or, une personne digne du pouvoir d'or doit pouvoir vaincre l'homme qui a créé cet endroit. Jusqu'à ce jour, je conserverai cette forme bizarre. Non, depuis ce jour, je conserve cette forme bizarre. Mais je sais pas ce que tu m'as dit. Bref. Quoi? Attends, le pouvoir d'or et la Triforce, c'est la même chose? D'accord, et bah ok, donc oui, c'est un objectif. Par contre, vous croyez que je ne l'avais pas vu? Mais oui, je l'avais vu! La brèche au fond du mur. Qui m'emmène du coup dans une salle de crâne. Oh, très bien! Et bah écoute, excellent. C'est tout? Enfin, non, c'est bien, c'est pas que c'est pas bien, c'est juste que je m'y attendais pas. Est-ce que les crânes dans l'autre monde viennent remplacer tous les pots de l'univers? Genre, si tu croises des pots dans le monde normal et que tu vas dans le monde inversé, on va l'appeler le monde inversé, c'est plus simple. Est-ce que tu trouves des crânes à la place? Ou est-ce que... ça dépend. Les Zelda 2D, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait. Ah oui, mais moi, c'est mes préférés. Les jeux en 2D comme ça, les jeux en pixel art, moi j'adore. Je suis extra fan. D'ailleurs, j'ai déjà une idée de quelle aventure on pourra se faire après ce Zelda. J'ai quelques jeux déjà hein, qui travaillent là-dedans et qui ne demandent qu'à sortir et à être explorés. Des jeux, encore une fois, que je n'ai pas fait et que je veux absolument découvrir avec vous. Et c'est pour ça qu'on passe un maximum de plaisir ensemble en live à faire des aventures totalement incroyables. Et j'espère encore une fois que ça vous plaît. Même si nous incarnâmes un héros avec les cheveux roses. Ça, c'est une autre histoire. 8 bombes! Ok! Tout va bien, tout va bien. Écoute, moi, à partir du moment où il y a des ennemis qui me lâchent 8 bombes d'un coup, Je suis aux anges. Il y a un moment, j'ai dû louper un tournant parce que je ne comprends pas. C'est quoi ça? Des fois, j'ai l'impression... Ah! Qu'on peut interagir avec un truc au sol, mais ce sac à patates est dangereux! Mais attends, mais what? Regarde ma vie! Elle se fait balayer! Oh là là, mais c'est incroyable! Attends. Je comprends pas. Peut-être que je peux... Bah non, je suis tout au bout. Comment je fais pour aller là? Ça, je peux pas le bouger! Non, si je te pousse de l'autre côté peut-être. Attendez, pousse-le droit. Non, il veut pas. À droite. Il veut pas. À gauche. Il veut pas. Bon, le prochain Final Fantasy. Chocapic, c'est toi? Tu as encore changé de nom? Dis-moi tout. Parce que oui, du coup, je vous referai voter parmi les jeux que j'ai envie de faire sur l'instant. Mais au vote précédent, j'avais dit que je voulais faire Final Fantasy 1, le tout premier. Parce que j'en ai fait plein des épisodes de Final Fantasy, mais dans le désordre en fait. Et en plus, j'ai pas fait les meilleurs. J'ai dû faire le 4, le 5, j'ai très vaguement touché au 6. J'ai commencé le 7, j'ai joué genre 1h30, quelque chose du genre. What the fuck? Ah oui, d'accord, ok, bah, il faut trouver les bons passages. Le 8, je ne l'ai vu que comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait le 10, pareil, une petite heure ou deux. Et j'ai fait le 13, j'ai fini le 13 à presque 100%, on va dire quelque chose comme 90-95.
J'ai fini le 13-2 à 100%. 100%, j'ai adoré ce jeu, étrangement là où beaucoup de personnes l'ont détesté. Mais voilà, j'ai pas fait les meilleurs tels que le 7, le 8 et tout ce genre de... Final Fantasy, casse-toi! Casse-toi! J'aime bien l'idée de ce labyrinthe, mais c'est un sacré bordel pour s'y retrouver. En fait, faut regarder les zones d'ombre. Les zones d'ombre, c'est là où on a accès. Et là, par exemple, je peux... Eh bien, faire ça. Waouh! Ça ne m'a pas beaucoup avancé. Je me vengerai de tous les sacs à patates qui en veulent à ma vie. Am nam 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 nam. Bon, on est toujours riche, mais techniquement, on sait pas à quoi sert cet argent. Je suis à Capix, t'es transformé en Milou. Mais oui, mais... Alors, c'est pas une critique ou quoi. Vous faites ce que vous voulez de votre pseudo, mais... Enfin, je suis entouré d'abonnés qui changent leur pseudo tout le temps, en fait. Donc, du coup, je me retrouve toujours avec des abonnés qui viennent me voir et qui me disent des trucs comme si on se connaissait, parce que oui, on se connaît, mais ils viennent sous un autre nom. C'est perturbant. Comment tu veux qu'on ait une discussion qui tienne la route 5 minutes? Attends, j'avais un bon truc là. Non, attends, j'étais dans... Ah, la continuité, j'arrive pas à aller là. Bordel, je vais aller en bas à droite. Pourquoi je peux pas y aller? Non, je suis déçu. Je suis sûr c'est là en plus. Je suis sûr c'est là, mais... Attends. Ça là, tu peux le bouger ça? Non? Non, papa? Non. Papa. Là, j'avais déjà été... Attendez. Ce labyrinthe est compliqué. FF8, j'adore. Ouais, mais justement, c'est des Final Fantasy que j'ai jamais eu l'occasion de faire, donc c'est pour ça, ça pourrait être une première pour moi. En espérant kiffer. Parce qu'en plus, vu qu'ils ont annoncé un bon remake, enfin, un bon remake, un vrai remake de Final Fantasy 7, où ils avaient dit qu'ils le feraient jamais, est-ce que ce sera une bonne idée ou non? On verra, hein, mais... Je suis curieux de découvrir le véritable épisode avant même de tester le remake. Parce que le remake, est-ce qu'on se le fera en vidéo ou non, je ne sais pas. Mais voilà, tout ça pour dire qu'actuellement on est dans Zelda et que je ne sais pas quoi faire actuellement. Oui, et du coup, pour revenir sur ma question de base, parce que je ne sais pas si je l'ai dit, j'ai 999 rubis. Si vous savez s'il est possible de faire quelque chose avec tant d'argent, je veux bien savoir. Parce que, je sais pas, ça m'étonne d'avoir autant de fric et de rien pour en faire. J'ai posé une bombe. Je sais pas. Là, je cherche des trucs, je cherche des idées. Mais l'impression que c'est là et pourtant, je sais pas, non, ça avance pas, ça creuse pas. Y aurait-il... Ah, attends. Ça y est! Oh là là, quoi? Je suis le singe, Kiki! Pas lié à un singe qui s'appelle Kiki. J'aime les rubis plus que tout. Tu peux me filer 10 rubis? Que décides-tu? Bah écoute, je te fais le 10 rubis. Kiki, bon choix, je t'accompagnerai un moment. Kiki. C'est bizarre ce singe Kiki. Ok, bon, on est accompagné du singe Kiki, et on s'est déverrouillé. Bon, c'est pas mal. Non, en vérité, c'est pas mal. Est-ce que ce que je viens de faire était réellement intéressant ou pas? En fait, je pense que le seul intérêt à avoir fait ce que j'ai fait, c'était de récupérer Kiki. Kiki, si tu me donnes 100 rubis, je t'ouvrirai l'entrée. Kiki. Attends deux secondes. Je me demande si... Avec tes rubis, tu peux augmenter ta capacité de flèche et de bombe. Ah, je savais bien qu'il y avait un moyen d'avoir un plus de stock. Mais, Attends. Est-ce qu'on est obligé d'avoir ce Kiki pour ouvrir la porte? S'il te plaît! Ouvre-moi la porte du Kiki! Attends. Je suis sûr que derrière l'une de ces pyramides... Je sais pas laquelle, hein, peut-être pas l'une des quatre là, mais... Dans le labyrinthe, j'en suis sûr qu'il y en a une qu'on peut bouger, qui cache un inter. Mais, maintenant, on va savoir laquelle... Eh bah écoute, je crois qu'on va aller chercher Kiki. Hein, voilà, j'ai beaucoup d'argent, j'ai économisé pendant tout ce temps. Kiki va peut-être pouvoir m'aider sur ce coup-là. À moins que vous ayez meilleure idée. Tu aurais dû lui donner, je crois que tu es obligé de lui demander. Ah mais non, mais ça veut dire que si t'es pauvre, tu peux le laisser tomber quoi. Bon Kiki m'accompagne. Ah mais non, puis du coup, j'y crois pas. Vu que ce salaud il m'a lâché une première fois, du coup il faut que je le repaye une première fois. Attention. Ce gros Kiki en bas, la rouge... Lui, oh là là, il envoie des bombes. Il envoie des bombes au travers en plus, ce salaud. Bien, la porte. Kiki. Ouvre-moi. Kiki. Bon choix, je te prends 100 rubis. Kiki. Kiki. Non mais j'aurais jamais pu l'ouvrir ça. Waouh. On se fait une petite save. Ce qui vient de se passer était incroyable. Un petit singe nommé Kiki m'a sauvé la vie. Et ben voilà, très très bien. Donc... On s'engage dans ce qui est
un donjon. Le palais des ténèbres, sûrement. Parce qu'il y avait une affiche qui nous disait. Enfin, une affiche. Un panneau qui nous avait dit qu'il y avait le palais des ténèbres droit devant. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce machin? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Une espèce de bulldog anglais avec un crâne vert. Oh là là. Oh, je le sens pas, lui. Ah, oui, d'accord. Ok, d'accord. Je peux l'exposer avec des crânes. Ouais, j'étais en train de me demander. Est-ce que ce serait pas justement, vu qu'il a la tête blindée, une énigme. Enfin, une énigme. Un palais à base de. De bombes, peut-être. Je vois pas tout un palais se faire autour des bombes, mais... Enfin, si, je le vois bien quelque part, mais en même temps, c'est tellement rare à avoir que... Waouh, que quelque part, je doute en même temps. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Qu'est-ce que... Ok, je peux rien en faire. Attends. Meurs! Bon, ça marche pas. Et ça, ça fait quoi? Ça donne un coffre. Donne le coffre. Oui, une clé. Je le savais que ça servait à quelque chose, cette salle. Oh là là. Il me faut plus de cœur. Oui, du coup, j'ai vérifié parce que je me demandais, par rapport au réceptacle de cœur, c'était deux fragments de cœur qu'il fallait ou quatre pour avoir un cœur complet dans la rue. Et oui, c'est ça, en fait. Il faut bien deux cœurs. Enfin, tu récupères bien un demi-cœur par un demi-cœur. Donc, en gros, deux cœurs récupérés dans la rue, ça te fait un cœur complet. Donc, c'est très bien. C'est très bien, mais du coup, il faudra qu'on en récupère toujours plus. Bonsoir, psychotique, et bonsoir à tous les casmas qui nous rejoignent. Je vais rejoindre les autres. Bonne chance. Bisous, Minou. A plus. Enfin, Minou, Chocapic, du coup. Ah, mais non, attends. Ouvre-moi ça, merci. Voyons voir. Toi là, la tête de crâne. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux trouver là dedans? J'ai récupéré une clé. Qu'est-ce que je peux récupérer de plus? Une boussole. C'est un TP. C'est un TP ça? Ouh là là, c'est un TP. Et à mon avis, ça, c'est le monde classique. Ouais, d'accord. Sauf que je peux pas sortir du monde classique. Si, attends, il y a une brèche en bas. Tu m'entends? C'est moi, Zelda. Je suis là enfermé dans le rocher de la tortue au sommet de la montagne de la mort. C'est pas déjà compliqué. Je sais que tu fais de ton mieux, mais je t'en conjure. Dépêche-toi. Bon, ok, je vais faire ce que je peux. Ma petite Zelda, patiente encore un petit peu, s'il te plaît. Ok, on a ouvert une brèche. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Dis-moi tout. Bonjour. Bonjour. Je la sens pas, le coup de l'arc avec eux, là. Ouais, non. Non. Et le coup de l'arc, pardon, le coup de l'épée. Au contraire, je le sens mieux à l'arc. Mais j'y crois pas. Quel sac? Meurs. Eh, tu veux bien mourir? Mais ils sont pas dans ma ligne de tir. Re. Voilà. Ligne de tir, re. Quel sac. Meurs. Voilà. Ok, alors attends. Parce que là, c'est vachement fragilisé, là. C'est fragilisé de partout, en fait. Que ce soit le sol ou le plafond. Enfin, le plafond, la porte. Qu'est-ce que... Je vais dans le trou ou je... Attends, je vais me faire une petite save. Histoire de voir un petit peu ce que ça fait. C'était juste pour se laisser mourir. Très bien, bah écoute, je le savais. Je préfère savoir, voilà. Je préfère assurer mes arrières. C'est un combat de type tactique. De type escrime. Tu peux les tuer à l'épée. Je peux les tuer à l'épée? Mais je sais pas, ils avaient l'air électriques. Genre, comme si les toucher me faisait me manger une croquette. On aurait dit des poulpes, oui, mais... Attends, parce que je suppose que l'idée, c'est de les tuer. Ok, d'accord. Voyons voir. Meurs. Ok, et là. Tac. Meurs. Wow. Le salaud. Ok. Et de deux. Meurs. Voilà. Bien. C'était easy peasy poney. Mes flèches perdues, s'il vous plaît. Bien. Bon, écoutez, on s'en sort bien dans ce palais, je trouve. Toujours mieux que dans le palais où il y avait Aghanim. Donc, ces trucs-là, on peut les taper à l'épée. Bon, bah écoute, on va essayer, hein. On va essayer. Meurs. Ah ouais, très bien, ok. Bah, je sais pas pourquoi. Il s'était excité tout à l'heure, il me faisait trop peur. T'as même les rouges, on peut. Oui, on peut. Très bien. C'est juste qu'ils se dispersent en avant. Mais c'est bizarre, on dirait vraiment qu'ils envoient de l'électricité. Tu peux les tuer quand ils clignotent pas. Oui, c'est ça, c'est bien ce que je me disais. Sauf qu'ils clignotaient trop et ils me faisaient peur. Du coup, j'osais pas. Ah, par contre. Ah oui, d'accord. L'épée laser ne fonctionne pas sur... Si! Ça fonctionne très bien sur eux. Mais si. Voilà. Attends. On se gave de facilité. Voilà. Et toi, tu dégages. Amnanam. Alors, que me veulent ces visages? Pas grand-chose. Ça dit quoi? Ah bah voilà la carte. Mais attends, ça veut dire que si jamais j'avais pas de bombe, que j'aurais pas explosé le passage secret qu'on voyait juste en dessous, j'aurais jamais pu récupérer cette carte et du coup je me serais paumé en fait. C'est juste un avantage.
et je ne peux pas passer. J'y crois pas. C'est trois têtes me narguent. Mais oui, mais c'est des trios nargueurs. Barrez-vous! Tiens, mangez une bombe. Non, une bombe. Une flèche. Tiens. Mange ça. À couvert! Bon, bah, ça fonctionne pas bien. Hein. Eh bah, écoute, la carte en moins, c'est fait. Bon, bah, voilà. Je pense que, de toute façon, la seule chose à faire maintenant, c'est de retourner en arrière. Oh, bordel. Je me suis fait eu par le piège, mais de manière violente. Oh la vache, c'est dur. Oh la vache, c'est dur. En fait, j'ai l'impression que... Non, d'accord. Ah, il change de sens. Ah, c'est pour ça. Je me demandais pourquoi est-ce qu'à un moment, ça avançait et qu'à un moment, ça reculait. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Il te faut l'objet du donjon. L'objet du donjon. Pour faire un truc avec les triopiqueurs, enfin, les trionargueurs. Ok. Bah, écoute, je ne sais pas. J'ai toujours ma clé, hein, si jamais. Donc, je peux toujours faire quelque chose d'incroyable. Ce moment où tu te rends compte qu'en fait t'as fait demi-tour pour rien. Attends, je peux retourner dans l'autre monde depuis mon miroir ou... Ah! Oui, je peux, très bien. Ok, excellent. Excellent, excellent. Alors, en avant. Direction la porte principale, parce que bon, c'est pas comme si je l'évitais depuis tout à l'heure, mais quand même. Je peux te tuer, toi? Dommage. Dommage, dommage, dommage. J'aurais pris un malin plaisir à t'exécuter. Oh la vache! Oh la vache. Attends, mais c'est un donjon, un Pokémon, hein. C'est des Charizard. Ah, barrez-vous. Barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. Bordel, mais c'est... Tête, crash, des boules d'énergie. Je n'aime pas ces trucs. Je n'aime pas ces trucs. Je le dis, j'aime pas ces trucs. Hop là, ça je peux rien faire. Ok. À gauche tout. Esquive. Voilà. Alors, ça je prends. Ok, là je peux péter un pont. Je sais pas à quoi ça sert. Est-ce que c'est bien de le faire? Est-ce que si je le fais péter, ça va m'apporter quelque chose? Je suis trop curieux. Je suis trop curieux, il faut que je le fasse. Il faut... Le pire, c'est que vous allez me le dire. Non, ça sert à rien. Mais je me sens obligé de le faire avant d'avoir un tour. Où tu as récupéré la carte, il y avait des fissures dans les murs. Sérieux? Non, j'avais pas vu. Ah non, les boules. Ah, je te promets, j'avais pas vu. Et là, je suis où, là? Là, je suis en moins 1. Ok. Ok, je suis perdu, je suis perdu, je sais pas si ça se sent, mais je suis littéralement perdu. Ah, c'est dommage, parce qu'en plus j'ai re-save derrière, j'aurais dû faire sur une deuxième save. Moi je la sentais bien, pourtant, bordel, 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 bordel. Attends, j'ai des flèches, tout va bien. Ok, j'en ai eu un, blablabla. Ah, d'accord, ça ne se tue pas ces trucs. Bah, bien, 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 bien. Oh, un coffre, une boussole, une clé, oui, pourquoi pas. Ça, je prends, merci. Ça, hop, et... Ah, glac, 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 glac. Je peux pas passer le portail. Passe-le. Portail. Pas du tout, pas du tout. Je suis perdu. Ah bah, je suis de retour où j'étais il y a 2 secondes. Je sais pas pourquoi. Je... Perdu. Je sais pas. Ce donjon est rigolo, c'est... Un fucking labyrinthe. Je vais rester mourir ici. Bon alors, vous, on a bien compris comment vous fonctionnez. Hop, 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 hop. Quel saligo. Ah là 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 là, mais quel monstre. Attends. Toi tu meurs. Toi tu meurs. Am nam 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 les pièces. Am nam 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 les pièces. Hop. Bordel. Mais... Il se dé... Comment j'ai fait pour l'avoir tout à l'heure? Attends. Parce que là, j'ai plus de vie. Et lui, il... Hop. Ok, il prend pas. D'où tu prends pas? Ah. Pour tuer les tortues, il te faut l'objet du donjon. Mais c'est quoi cet objet du donjon? Je suis sûr que c'est un genre de grappin. Je vois bien un grappin, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est aussi l'un des seuls objets qui me parle, mais... non, je vois bien un grappin à moi. Bon, écoute, j'ai tout fait péter, je joue des accès, je sais pas trop ce qui se passe. Mais un truc est sûr, pour le moment, le rez-de-chaussée veut ma mort. Donc, le premier étage sera pour moi. Voilà. Comme ça, on avance. On avance. Alors, il y a des escaliers. Escalier, ça veut dire aussi niveau, ça veut dire aussi poulpe. Poulpe que j'ai dézingué au travers. Pas de problème, je peux les frapper au travers du cube, c'est pas mal, ça me permet de prendre de l'avance. Et le rouge, je crois
qu'il était immortel. Du coup, on va le snobber. Toi, oui, toi. Toi, meurs. Meurs. Ok, tu ne veux pas. Je vois vraiment bien un grappin, mais... Je sais pas, est-ce que je peux pousser l'un des deux cubes, au fait? Parce que j'en ai poussé un sans le faire exprès, mais... Mais ça ne fonctionne pas bien. Non, mais c'est ça, hein, c'est ça, tout se joue au rez-de-chaussée. Tout se joue au rez-de-chaussée. Et le plus simple, ce serait carrément de se laisser tomber. Bon, on va se laisser tomber, de toute façon, on a toujours la clé, ça veut dire que on pourra avoir cette fois-ci accès à la porte qui était juste au-dessus qu'on n'avait pas accès. On était descendu parce qu'on n'avait pas de clé. Donc voilà, je peux maintenant ouvrir cette porte. Donc, ça m'emmène où? Pas très loin d'où j'étais. Ah, un coffre! Très bien! Très très bien. Non, c'est vrai. Je veux pas de ce sens-là. Ah ah! La clé du boss! Mais aussi la clé du coffre. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à trouver le coffre. Ouais, bah écoutez, ouais. Des Charizards, foutez-moi la paix. Je me barre avec mon crâne que j'ai pas du tout gardé. Attends, parce que je suis perdu. Je suis où, là? D'accord. Donc là, je suis là. Ok, oui, je sais. Faut que je retourne dans la salle où je suis mort tout à l'heure. Celle où il y a les gars qui m'imitent. Comme ça, j'avance. Et normalement, derrière, vous m'aviez dit qu'il y avait ces fameux murs que je pouvais faire péter. Je crois. Il me semble. Bon, de toute façon, c'est ma seule piste. Donc au pire, hop. Et de deux. Et de trois. Oui, bon, c'est vrai. Tout à l'heure, j'ai pris des risques pour pas grand-chose. J'ai gâché des flèches pour pas grand-chose. C'est pas grave. C'est pas grave. Au pire... Mais lui, il est infernal. Voilà, s'il te plaît. Ok, ok. On dirait vraiment des babars en fait. Des babars mais humanoïdes. Genre un peu plus moderne. Hop là, que les traditionnels. Donc, ah oui, c'était juste après ça. Évidemment. Évidemment, toujours plus. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Gagagagag. Ah mais non, mais c'est à la moitié que ça change en fait. Oh là là, d'accord. Au départ, t'es très ralenti, après t'es accéléré. Alors, c'était où? J'ai pas vu. T'es sûr pour les fissures, là, Nanou? Ouais, je suis moyen convaincu, moi. Oh, pardon, attention. Enfin, Oui, c'est des fissures, mais ça ressemble surtout à de la déco. Attends. Parce que finalement, j'ai la carte et je la regarde pas. Rez-de-chaussée et moins 1. Comment ça, rez-de-chaussée et moins 1? J'ai pas de premier étage? Genre, j'ai zéro premier étage. Attends. Parce que finalement, est-ce que la réponse ne serait pas, voilà, de tout faire péter? America. Ah mais si, mais c'est vraiment des passages. Mais non, mais j'y crois pas. Ok, je ne dirai plus rien. Loué soit la sainte parole de Nanou. Alors attends, parce que du coup, on va profiter de ça pour... bah non, c'est pas ça qu'il me faut. Le flocon en lui-même, enfin le flacon, tu peux pas t'en servir en lui-même, c'est filet de papillon. Et hop là, Pokéball. C'est bon? Comment je sais si je l'ai capturé? Je sais pas si je l'ai capturé. Ah! Je ne crois pas la voir capturer. Ah, là, je l'ai capturé. Parfait. La mettre dans le flacon. Excellent. Bon, j'ai toute ma life. J'ai un flacon de plein. On n'est pas trop mal. Alors, à gauche. À gauche. Dis-moi tout. Ah, ouais. C'est pas ce que j'espérais, mais à la limite, c'est pas trop dégueulasse. Là on a un problème, attends. Enfin c'est pas un problème mais honnêtement je sais pas quoi faire. Attends. On va retourner à l'entrée. Hop, sauvegarde 2. Voilà, et on va voir un petit peu. Oui sur à 100%, bah oui je vois ça. Loué soit la parole de Nanou, j'y crois pas. Pas que je remette en question ta parole, mais là sur ce coup je suis surpris. Surpris par ce qui vient d'arriver. Pour de vrai on aurait dit entièrement que ça faisait partie du décor. Non mais là c'est bouché, là on est d'accord, c'est bouché, je peux pas y aller. Bref. Alors, on en était où? On en était qu'on était en train de galérer et qu'en vérité on ne sait pas où on va. Et je suis sur un pont, sur le point de s'écrouler avec bien évidemment des tireurs d'élite qui sont sur le point de m'abattre. Ah, attends, parce que ma petite Nano, tu m'as dit de pousser les pierres, mais j'ai déjà poussé les pierres, regarde, je peux pas pousser. Tu penses qu'il faut que j'aille là? Bah non, attends, j'y suis déjà allé tout à l'heure ici. Bah oui, c'est... Je suis déjà allé dans ce trou, hein, et ça m'a rien apporté de plus, ou alors j'ai pas compris. C'est là que je m'embrouille totalement, en fait. Attends, parce que... Je comprends pas. Il y a un moment, je comprends pas ce qu'il faut que je fasse.
Pourtant, j'ai déjà essayé de retourner à l'entrée. Mais là, je suis l'embrouille. Il y avait quoi, du coup, à gauche? Non, non, il y avait un coffre. Il y avait un coffre qui offrait une clé, je crois. Oui. Pousse la pierre vers la droite dans le vide. Attends, c'est sérieux? Non. La pierre vers la droite dans le vide. Mais non. Mais non. Bon, je sais pas ce que ça fait, mais... Oui. Du coup... Oui. Oui, moi je veux bien, mais... Qu'est-ce que ça m'apporte? Attends, est-ce qu'il y a un bouton secret par hasard? Non, peut-être? Qu'est-ce que j'ai changé dans ma vie? Ah, et là, tu penses qu'en remontant, la pierre sera plus là, peut-être? Ouais, attends, ça se tient, hein? Ça se tient. Ça se tient, mais en même temps, c'est pas la première fois que je remonte, et techniquement, elle devrait plus y être déjà, hein? Attends, parce que là, en termes de dimension, je suis un peu paumé. Du coup, tu débloques le passage, MDR. Mais oui, c'est parce que je me suis laissé tomber avec. Oh là là, mais oui. Malinx, la nanou, malinx. Sauf que je peux plus sortir. Pourquoi? Ah non. Ah, c'est bon. Je peux sortir. Oui. Oh là, mais j'y crois pas, malinx, nanou. Qu'est-ce que je ferais sans elle? Ok. D'accord, donc nous avons notre copilote officiel. Maintenant, c'est dit. Oui, il vous faut un épisode de test, et une fois ça passé, vous êtes devenu copilote officiel. Bah, très bien. Bon, écoute, ça m'a permis de me recharger en bombe, en flèche, pardon. Et, ah bah voilà, bah elle est pas revenue. Bah, excellent, excellent. Donc, on continue, et on se lance toujours plus dans le donjon qui est, normalement, le palais des ténèbres. Oui, j'ai deux clés. C'est bien. Mais que me veulent ces flèches, en fait? Ah, mais c'est parce que je suis au-dessus. D'accord, j'ai cru qu'il fallait l'objet précis pour pouvoir faire un truc avec cette flèche. Ah mais d'accord, non mais je pouvais faire ça depuis longtemps à mon avis. Parce que, attends, si je regarde bien de ce côté là, bah voilà, j'avais une flèche qui me permettait d'aller au centre. Oh le délire. Oh là là, le truc de dingue. Oh le truc de dingue, dinguerie. Oh là là, bah attends, parce que du coup j'ai deux clés hein, qui me permettent d'ouvrir un premier passage. Meurs. Oups. Ah là là, meurs. Wow 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 wow. Ok, est-ce que c'est les deux crânes qui soutenaient le pont ou comment ça se passe? Est-ce que le pont est de nouveau là? Ouais. À mon avis, il va falloir runner très 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 vite. Ok, meurs. Ok, c'est bon. Ok, bon, il y a le coffre à récupérer juste là. À mon avis, pour le récupérer celui-là, il va falloir se laisser tomber. Go! À moi! Ok, j'ai la boussole. J'ai trouvé la boussole, tu sais maintenant où se trouve le boss, blablabla. Je vais en bas, je sais pas pourquoi, je suis stressé là. Ok. Ah bah attends, on s'en fout. Oh. J'ai guaqué le piège. C'est rigolo ça. Un petit rubis qui ne vaut rien, mais quand même. Hop. 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 Et voilà, je ne sais pas du tout où j'atterris, mais j'y atterris. Ok, c'est pas du tout là où je voulais être. C'est pas grave. Oui, bah je suis obligé de refaire un tour. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Attends, mais il est rigolo ce tombeau. Enfin, ce palais. Ce palais, donjon, tombeau. Vous m'avez compris. Ok, donc je récupère ça. J'ai plus de clés, je suis fauché. Mais, dans cette salle, il y avait deux escaliers pour descendre vers le bas. Et là, tout est dit. Essaye de bouger les statues. Les statues? Quelle statue? Quelle statue? Attends. On est parti sur un délire là. Quelle statue? J'ai peut-être loupé un truc important. Je ne sais pas. J'espère que c'était pas si important que ça. Là, je vais tâcher de survivre. Ah oui, d'accord. Je suis dans une zone de richesse incarnée. Le délire, par contre, c'est que tu vois, je suis déjà riche, en fait. Donc, ça m'apporte... Oh, j'ai accès aux deux coffres. Tellement bon. Ah non, et... Parfait. En fait, j'avais peur que dans les deux, ce soit du contenu et pas de clé. Mais non, c'est bon. J'ai 999. Pas besoin de rester sur place. On est bien. Il y avait déjà eu une zone comme ça piégée dans le... Dans le palais, en fait, je crois. Oui, quand on était en sous-sol, quand on avait tenté de fuir avec Zelda. Et du coup, à gauche, je dois pouvoir ouvrir. Voilà, très bien. Très bien. Je suis tombé sur une zone bonus, moi, ça me fait plaisir. Oh, purée, ça me fait plaisir. Meurs, démon. Bon, c'est bien. Ils sont one-shot. Putain, par contre, je bouffe, hein. En termes de dégâts, je prends extrêmement cher. Oh, le sac à bombe. Le sac à bombe de l'amour.
Sac à bombes de l'amour qui me sert à rien en fait, parce que j'ai bien assez de bombes. Ah oui d'accord, non en plus c'est physique ça. Non mais attends, 92, 26 ans avant Breath of the Wild, t'es en train de me dire que ce feu est physique? Mais c'est juste incroyable, mais qui l'eût cru? Oh là là! L'Unreal Engine était déjà présent. Je récupère une nouvelle clé. Ok. Alors, c'est très bien d'avoir une nouvelle clé. Non, c'est pas ce que j'ai. Mais moi, ce qui me perturbait, c'était ça. Le fait de récupérer des bombes comme ça, donner en plus dans un coffre et te dire que tu ne t'en sers pas sur l'instant, c'est pas Zelda. Par contre, du coup, maintenant, c'est prouvé. Je prends des coups si je reste à proximité d'une bombe que j'ai placée moi-même. J'étais pas sûr, mais maintenant, j'en suis sûr. Tu as récupéré le marteau magique. Le marteau magique! Mais oui, en plus, j'en avais parlé quand on était sur la montagne de la mort. J'avais dit, ah, je suis sûr qu'on va avoir un marteau pour faire X jours sur la suite. Bah oui! On a le marteau magique. Tu peux enfoncer des piquets de bois dans le sol. Tu peux aussi t'en servir pour pionner. Pour pionner? Non, pour pilonner d'autres objets. Pour pilonner d'autres objets. Tu vois un peu? C'est un jouet. C'est un jouet. Pour de vrai, c'est un jouet. Alors attends, parce que là, c'est pas tactique du tout. Retour à la maison. Voilà. Et si je dois pouvoir faire des choses formidables. Si je mets un double coup de miroir, ça va pas le faire. Bien. J'ai mon jouet magique. Tout va bien. Toy Story Edition. Tu vas pouvoir écraser des têtes. Bah, parfait. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, je peux écraser les crânes verts. Et je suppose que quelque part, du coup, se trouve... Zboum ! La sortie. Ah, ouais, d'accord. Pas mal, pas mal, pas mal. Je pense que le boss, il va jouer comme ça aussi. Ce sera une grosse tortue géante qu'il faudra retourner. Ah, blablabla. Non, mais j'y crois pas. Oh, j'ai tout l'avantage du monde. Voilà. Donc, s'il te plaît, meurs. Meurs. D'accord. Ça ne fait rien. J'ai bien compris. Est-ce que la réponse était par là? Peut-être, peut-être pas. J'ai toujours une clé. Hein. Je ne sais pas quoi en faire, mais j'ai toujours une clé. Voyons voir. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Qu'est-ce que ça fait d'utiliser mon marteau sur ces trucs-là? Ah, je les propulse et je les one-shot. Pas mal. Pas mal, honnêtement, pas mal. Il faut que je gagne le centre. Il faut que je gagne le centre. Je sais pas pourquoi, mais je suis sûr qu'il faut que je gagne le centre. Meurs! Là, je suis mouru tout seul. La réponse se trouve là-bas. Attends, 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 attends. La réponse se trouve là-bas. Comment je vais faire ça, moi? Comment je vais faire ça, bordel? Ça là-bas, là. Ça, je peux l'activer, attends. Avec un arc, peut-être. Un arc ou un boomerang. Tac, 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 tac. Allez, on vient tous là. Allez, 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 allez. Hop! Oui! Ok. J'ai actionné un truc, cassos! Très bien. Ah bah voilà, j'étais où j'étais tout à l'heure. Enfin, j'étais où j'étais tout à l'heure. J'étais juste au-dessus avec justement l'effet et tout le tralala. Ça, je peux pas bouger. Ah! Oui, pour le plaisir. Pour le plaisir. Pourquoi je peux bouger cette statue? Nani. Nani, 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 nani. Ah ah! Non. Ah ah! Mais... D'accord, j'ai compris. Ok, 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 ok. Je me demandais pourquoi je pouvais pas, enfin, pourquoi je pouvais bouger cette statue pour rien. Bah oui, ce n'est pas pour rien. Voilà. C'est parce que c'est un inter qui se retient. Excellent. Bon, on n'est pas trop mal. On se rapproche du boss. Wouh. On se rapproche du boss, mais on n'y est pas encore. On relâche rien. Ah non, pas eux. Oh non, pas eux. Oh non, pas eux. Est-ce que je peux tenter quelque chose au marteau magique? Boum. Ok. Ça, je récupère. Tac, 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 tac. Hop là. Ok. Tac, 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 tac. Hop. Esquive. Hop. Esquive. Hop, 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 hop. Hop. Quel sac. Bon, d'accord. Les coups de marteau, ça l'affecte pas. Rien du tout. Que dalle. Est-ce que le boomerang, ça l'affecte pas du tout non plus? Ouais, bah là, c'est très l'arnaque. Hop. Flèche dans les fesses. Vas-y, meurs. Ah, j'y crois pas. Ah, oui. Ok, ça va. Il faut jouer avec le déplacement de l'ennemi en fait. Parce que vu qu'on peut en faire ce qu'on veut, si on arrive à bien le déplacer, à bien le mettre en place, on peut faire des merveilles. J'ai cru être déjà dans la zone d'action. J'ai cru que j'étais mort d'avance en fait. Pas du tout. Bon, du coup, je revis vu juste avant. C'est pas grave, c'est pas grave. Parce que justement, vu que maintenant je sais comment faire avec mon ennemi rouge là, je vais pouvoir tenter quelque chose pour garder un maximum de vie. Donc attends, il faut que je le fasse comme ça. Donc, hop, voilà.
Hop. Voilà. Ok. Au jugé, on est pas mal. Franchement, au jugé, on est pas mal. Toujours plus de flèches. Toujours plus de flèches. Hop. Petite save. Et on poursuit. Bah lui aussi, il a oublié la fée, je crois. Non, justement, je l'ai pas oublié. Mais je veux la conserver. Parce que la fée, elle me fait revivre. Si j'ai bien compris. Mais je veux la conserver. Attends, quoi? C'est un plan, ça? C'est pas un plan, ça. C'est pas un plan, c'est une connerie, ça. C'est une connerie, c'est une connerie, c'est une belle connerie, c'est une belle connerie. J'ai compris, je crois. Hop! Oui! Ok. Donc, toi, qu'est-ce que je peux faire avec toi? Te tirer dans l'œil. L'évidence même. L'évidence même. Mais c'est pour ça, je supposais que ces statues, on puisse en faire quelque chose depuis bien plus longtemps. Mais non. Le mur continue de se déplacer. Et soudain, un souterrain vient s'ouvrir à moi. Ok. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait un moment qu'on est dans cette VOD, donc ce serait bien qu'on voit la fin assez vite. Pas que ça me saoule ou quoi, mais juste parce que j'ai peur que cette VOD, sinon, dure 1h30. Mato magique. Oh, mais ça marche vraiment! Trop bien! C'est rigolo. Ah, mais c'est un Tap Top? Je sais plus comment ça s'appelle. Namor, c'est ça le jeu? Tap Top? Ouais, peut-être Chasse Top. Ouais, peut-être. Peut-être. Attends, parce que là, j'ai libéré le Kraken, non? Non, j'ai pas libéré le Kraken. Devant un inter qui sert à faire un truc quelque part. Vol! Non, j'ai dit... Vol! Vol! Voilà! Gentil. Ok, la bombe. Ah, la porte, j'avais pas vu. Ok. Eh, tu fais comment si t'arrives ici sans la clé? Tu fais demi-tour? Ah, parce que je crois que c'est possible en plus de venir jusqu'ici sans la clé. Casse-toi. Casse-toi, saloperie. Saloperie. Le marteau, t'as l'impression qu'il a une courte portée, mais en vérité, tu peux te démerder pour qu'il tape quand même à distance. Hein. Au moins une case et demie, deux cases. Zboom. Eh, même plus que ça. Hein. Ok. Non. Les coups pas. Coupez-vous. Barrez-vous. Attends. Là, c'est horrible. J'essaie de les éliminer. En fait, je fais ce que je peux. Hein. Voilà. Casse-toi, casse-toi et casse-toi. Voilà. Ouh. La fatigue se ressent de plus en plus. Le challenger suisse-polonais va tenter des choses incroyables dans la durée. Mais il n'est vraiment pas sûr de ce qui va se passer. Quoi. Ok, bonjour. Ah, il fait jour. Ok, toi tu meurs. S'il te... Quoi? Non mais... L'idée c'est de faire ça, et de faire ça, voilà, et tu dégages. Des fois je comprends, quand tu tapes trop vite, j'ai l'impression en fait que juste ils se remettent en position tout seul. Il y a une ouverture quelque part. Ça c'est pas une ouverture. Ça c'est une ouverture. Ça c'est pas une ouverture. Ah, oui, aussi, oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé du tout, mais c'est vrai. Qu'est-ce que... Ah mais je suis déjà venu ici. Mais oui, mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Meurs. Quoi? Bah ouais mec. Non mais voilà, regarde, je les ai retournés, c'est pas ce que je veux. Je veux les tuer, voilà. Et du coup là je suis en crise. Là je suis pas bien, là j'ai plus de vie. Et évidemment le boss est juste derrière. Non mais c'est terrible, c'est terrible. Après non, 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 non. Parce qu'à chaque fois qu'on dit ça, il y a toujours une petite salle ou deux avant. Ou pas. Ou pas, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, ce truc est énorme. Parlons-en. Parlons-en. Il porte un masque de super-héros. Non, par contre, il est stylé. Ça, on peut le dire, il est stylé. Mais, El Toro Fuerte. Il porte son masque de la nuit. Meurs. D'accord. Bon, je sais pas. Ah, si, attends, si. J'étais pas sûr de la connerie que j'ai fait, mais si, ça marche. Attends, comment? J'ai réussi à lui péter un bout de masque. Je sais pas comment j'ai fait, mais je lui ai pété un bout de masque. Bon. Le boss, il est fat. Mais heureusement, grâce au pouvoir de la fée, on va pouvoir revenir de plus belle et tenter de nouveau des choses incroyables. Bon, je sais pas comment j'ai fait pour lui péter un bout de masque avec le marteau. Hop là, attention. Meurs. D'accord. Ça ne fonctionne pas bien. Attends. Est-ce que les bombes ne seraient pas aussi une solution? J'ai vu sa queue s'exciter, je me suis demandé tout de suite ce qui se passait. Meurs. Meurs. Rien à péter. Rien à péter. Ce boss est... Ce boss est mignon. Ce boss est très mignon. Il est stylé en vrai en plus, hein. Mais Mais si, je vais repéter un bout. En fait, j'ai l'impression qu'on voit pas la physique des coups qu'on lui donne. Mais il en prend, hein. Il en prend.
Ok, oh là là, oh là là, oh là là, ah mam. Non mais... Je crois que j'ai compris. En fait, quand il excite un peu plus sa queue à droite, c'est qu'il va porter à droite et bah à gauche et qu'il va porter à gauche. Oui, non, je sais pas en fait, parce que là c'était un peu au centre, c'était un peu du grand n'importe nawak. Allez! Exploser ce masque, oui! Ah, je panique. Et ma vie aussi, elle panique! Est-ce que c'est bien le marteau qui fait un truc? Bon, je sais pas. Ce coup-là, le coup de sa queue extensible, je suis désolé, mais non, je comprends pas. On va essayer, on est reparti. On a toujours que deux cœurs. On a peut-être pas la technique. Faut lui balancer des bombes devant la bouche. Ah! D'accord. Mais du coup, le marteau, parlons-en. Non, parce que... Quoi? Ouais, mais alors... Ouais, mais de toute façon, j'ai essayé une bombe, mais ça fonctionnait pas tout à l'heure. Peut-être que je l'avais mal disposé après. Oh. Ah, si. Ouais, en fait, ça fait le même effet. Mais, je sais pas. Après, j'ai remarqué que je pouvais à peu près le coller. Ah, sans prendre trop de risques. Bon. Le délire, par contre, c'est qu'il va falloir s'habituer à ça. À chaque fois que je prends un dégât, c'est deux cœurs minimum. Donc, du coup, bah, c'est le one-shot dès l'entrée. Voilà, voilà. Et là, on commence réellement. En fait, c'est un échauffement. Quoi? J'ai perdu trois cœurs. Sale monstre. Ok. Ah, mais non. Mais tout à l'heure, je pouvais le coller autant que je voulais. Et là, non. Pourquoi? Saleté! Saleté! Merde! Oh! Oh oui! Oh magnifique! Oh là là, je vais m'en bouffer une! Aïe 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 aïe! Quoi? J'ai fait une connerie, je crois. Il m'a montré sa pierre philosophale et je suis mort devant. C'est pas grave, on a l'habitude, on est mauvais dans le game, on sait comment ça fonctionne. C'est reparti! Pour casser le masque. Mais aussi bien le marteau que les bombes, les deux fonctionnent en fait. Le marteau, voilà, regarde. Là, j'ai pu fragmenter une première fois son casque de manière easy. Oh, mais j'ai compris en fait. Attends, je crois. Non, par contre, le coup de la queue, j'ai pas compris. Le coup de la queue, je comprends pas comment tu fais pour éviter de prendre le coup. T'es obligé de te le bouffer en fait, non? Non, c'est pas possible. Ça marche jamais comme ça. T'as toujours moyen de pouvoir esquiver quelque chose, quoi. À moins de pas avoir l'objet sur toi. Mais je l'ai, l'objet. En fait, je pense qu'il faut frapper à droite et à gauche. Non, je sais pas. Mais tout à l'heure, j'ai réussi à lui péter du premier coup. En fait, j'ai l'impression que le premier bout de masque se pète tout de suite. Et le second... est plutôt du genre à hésiter. Bon, là, d'accord. Mais quand il est au centre? Parce qu'il l'a déjà fait, ça, au centre, hein. Comment tu fais quand il est au centre? Eh bah, tu pleures. Et là, je pleure. Non, c'est bon. Ouais, c'est ça en fait, faut vraiment se mettre dans les angles. Ok, on poursuit. Ah, blablabla. Il me roule dessus. Ah, ouh là là, tout va bien. Putain, mais la portée de ce marteau. C'est sur tes coussinets que je vais taper, mon gros. Non, jamais. Wow. Franchement, ça va, il est impressionnant. Mais il n'est pas extrêmement dur pour autant. Ok. Le pire, c'est ces boules de feu, en fait. Enfin, en termes de visée, hein. Sinon, pour le reste, c'est la queue qui fait le plus de dégâts. Oh là là. Tout va bien. Hop. Oui. Ok, bon. Réflexe, arc. Attendez, je fais une petite save. C'est pas pour pouvoir revenir d'ici, parce que je le ferai pas. C'est juste pour vérifier quelque chose. Ouais, c'est ça. Bon, ok. Donc, si jamais je meurs, je recommence le combat, hein, je préviens. Non, c'est juste pour vérifier si c'est bien ça qu'il fallait faire, le coup de l'arc. J'avais supposé ça en arrivant, mais j'étais vraiment pas sûr. Oh, il va vite. Allez, d'accord. Dégage. Ah, je sais pas comment j'ai fait pour esquiver, mais j'ai esquivé. Oh là là, il est vénère. Meurs, saloperie. Tu vas mourir, je te préviens. Meurs. Je l'ai totalement loupé. Oh là là, mais il est excité. Il est excité de sa bosse frontale. Meurs, double flèche. Ouh, oh la vache, putain, je m'en sors beaucoup trop bien là. Ah, T'es trop près, barre-toi. Ah, tu me fais peur. Ok. Eh, je suis bien dans mon coin là. Eh, je me suis trouvé une petite planque là. Pas piqué des hannetons.
Et je l'ai poutré grâce à mon petit coin. Donc, notez si jamais vous faites le jeu chez vous. Le coin en bas à gauche, c'est 10 sur 10. Bon, et bah écoutez, first try, bien évidemment. On l'a eu du premier coup. Et on obtient en plus de ça le 9e cœur de la première barre de life. Parce qu'il y en a une deuxième à accumuler en plus de celle-là. N'hésitez pas à vous, en live et à vous, en VOD, d'apporter votre aide, d'apporter des astuces, d'apporter des informations sur notre aventure incroyable. On va donc pouvoir s'arrêter ici pour cette 11e VOD sur The Legend of Zelda A Link to the Past. On a pas mal joué, on va quand même, voilà, laisser la cinématique se terminer, enfin laisser le dialogue se terminer. Et on s'arrêtera là pour cette VOD. Link, grâce à toi, je peux m'échapper des griffes des diaboliques monstres. Merci, ce monde était autrefois la terre d'or où la Triforce était cachée. Mais à cause du vœu que Ganon, quand elle s'en empara, voilà ce qu'il advint de ce monde. Ganon rassemble ses forces pour conquérir aussi notre monde de la lumière après avoir établi son pouvoir ici. Il veut rompre le sceau à l'aide des pouvoirs que nous, les 7 jeunes filles, avons hérité des sages et ouvrir une brèche plus large entre les mondes. Mais la brèche n'est pas encore suffisamment large. C'est gênant. Tout n'est pas perdu. Si nous, les 7 jeunes filles, nous unissons nos efforts, nous pouvons casser la barrière qui entoure la cachette de Ganon. Je vais te dire où les autres jeunes filles sont retenues. Je suis sûr que tu détruiras Ganon et nous retrouverons alors notre aspect d'origine. Très bien. Donc du coup, c'est pas son aspect d'origine. Tu as compris, oui. Merci beaucoup. Puisse son chemin mener le héros à la Triforce. Et du coup, on récupère toute notre life. Parce que bon, quand même. Mais du coup, c'est chiant en fait, parce que si là, je décide de passer dans l'autre monde, pour aller faire un truc en particulier, et que je veux redevenir moi-même, bah, j'aurais pas d'autre choix que de retourner où ça pétille sur la carte. Par exemple, si je me mets à passer dans l'autre monde là, et que je veux faire un tour, je sais pas, au centre-ville ici, et bah si je veux retourner dans l'autre monde, je serais obligé de repasser par le truc qui pétille pour revenir au village de nouveau, et je trouve ça dommage. En attendant, plein de nouveaux marqueurs ont été ajoutés à la carte au nombre de 6, puisqu'on a déjà fait le premier. Je vous fais donc d'énormes bisous, on se retrouve très bientôt pour la prochaine VOD. A plus tout le monde!